Salut tout le monde, avant de lancer cette vidéo, je tenais à m'excuser du temps que j'ai mis à faire le montage parce que cette vidéo date de début 2014, donc janvier, et on est en juillet au moment où je fais le montage, donc je tenais à m'excuser du temps que j'ai mis à le faire et voilà, et également du temps que dure la vidéo, mais malgré tout j'espère qu'elle vous plaira, et donc je vous invite à la regarder et bon courage à celles qui la regarderont en entier. Je vous remercie énormément. Gros bisous, à bientôt. Salut tout le monde, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous fais une journée dans ma peau, voilà, avec Mia. Donc je sais pas exactement ce qu'on va faire de notre journée. Ce que je sais, c'est que je suis carrément en retard, mais je filme d'abord une première partie ici parce que dans la rue c'est pas trop mon truc quand je suis toute seule. Donc voilà, donc je vais aller rejoindre Mia, je devais la rejoindre à 14h. Ensuite on s'est dit 14h10 et là il est 50 et je filme ça, donc je suis carrément en retard. Bah du coup je vais pas tarder à partir. Donc voilà, et en fait ce qui m'a pris du temps et ce qui m'a fait chier en retard, c'est d'emballer ça. Donc c'est les petits cadeaux d'anniversaire et de Noël de Mia qu'on n'avait pas offert qu'on lui avait pas offert avec Flora. Donc Flora sera pas là, mais elle tenait à ce que on lui offre aujourd'hui, donc bon voilà. Donc voilà, j'ai fait ça vite fait. Donc il y a deux tunnels et un plug, donc pour ses bijoux, elle vous les montrera après. La surprise, c'est qu'il y en a un auquel elle s'attend pas du tout. Donc le numéro 3, c'est pour ça que je les ai numérotés, parce que je veux qu'elle l'ouvre en dernier, parce qu'elle s'y attend vraiment pas à l'avoir. Je lui dis qu'on l'avait oublié dans la commande. Donc voilà, c'est un petit peu la petite blagounette. Et c'est pour ça qu'ils sont numérotés, bref. Je parle super vite parce que faut que je me dépêche. Donc c'est pour ça que je vais m'en aller là et on se retrouvera tout à l'heure avec Mia. Parce que dans le bus, il n'y a rien d'intéressant. Et voilà, et j'ai un peu l'air con si je filme toute seule à parler à une caméra quand je suis toute seule. Donc je vous laisse et. Alors, 1, 2, 12. Je suis avec Mia. Bonjour. Dis bonjour. Ah, j'ai compris, bonjour. Je me suis dit, super. Non, je suis avec Mia. Elle est là, là, avec sa tête. Non, non, je suis là avec mon cul. Wow. Et donc, on va se poser un peu. C'est Poseille, c'est tatoué. Eh hey, mon labello c'est un La Roche Poseille. C'est vrai, regarde. Ouais, non, je te crois. Donc, je filme mes réactions. Bah oui, c'est une surprise. Oui, donc peut-être que c'est un iPhone. On ne sait pas. On ne sait pas. Attends, hey, j'ai fait un emballage mais genre magique. Tiens, ils sont numérotés parce que. Sérieux? Ouais. Tu comprends. Alors numéro 1, Flo. C'est celui que Flo elle lui a offert. Attends, là c'est pas dans le. Wow. Je me demande ce que c'est. Mais oui. C'est peut-être une Xbox. Mais peut-être bien. Oh, un plug. Je ne m'y attendais pas. Ah, il est frais. C'est celui avec les dents de vampire. Je ne sais même pas montrer à la caméra. Non, c'est un Batman. Mais non, c'est les dents de vampire celui-là, Mia. C'est pas les dents, c'est un bat. Je sais pas. Si celui-là, c'est les dents de vampire. Je vois des dents. Dites-moi mais... où est-ce que vous voyez des dents. Attends. C'est des dents ou un Batman, ça, s'il vous plaît. En plus, tu sais, je lui avais fait une belle ouverture toute jolie et tout. Oui. Et qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle l'arrache. Oui, bah, hein. Faut prévenir. Hein. Donc, tous ces cadeaux viennent d'un site qui se nomme Crazy Factory et qui est juste magique. Site numéro 2. Tricheuse. Eh bah ouais, bah fallait pas mettre des numéros alors. Si, parce que ça a son importance, hein, monsieur. Oh, c'est celui avec le strass. Oui. En fait, c'est celui qu'elle avait déjà repéré avant oui. De faire son 10. Ensuite. Le numéro 3. Attends, tu peux montrer. Le numéro 3. Tu fais chier. Oui. Mais tu vas voir. Petite chenapone. J'avais dit que je l'avais pas pris. T'avais dit que tu l'avais pas pris. Qu'on l'avait oublié. Le plus goyolo. Voilà. Petite chenapone. Tu t'y attendais pas. Hein. Tu m'avais fait croire que tu l'avais oublié. Oh oui. Tu t'y attendais pas. Hein. Donc voilà, Mia. Attends, je vais le mettre. Bah oui. Est-ce que Mia, tu es contente? Oui. Attends, non, c'est plein de plugs. J'essaie, je peux rien faire.
pour t'aider. Incline-le. Mais c'est ce que je fais. Non, je dirais pas. En fait, ton trou, il est tellement bizarre que quand tu l'inclines, ça fait un truc bizarre. Elle est pousse. Aïe. Elle est pousse. Pousse. Ah, c'est stretché. Oui, c'est pas pousse. Elle est pousse. T'es sûr qu'Olivier t'a stretché en 10? Pousse. Et il est carrément pas rentré en fait. C'est juste... Ça y est. Oui. C'est le YOLO. Attends, donc sachez que nous c'est pas YOLO pour You Only Life Once. C'est YOLO parce que... Oui. YOLO. De Antoine Daniel. YOLO. Voilà. Comme ça je pourrais faire une photo et comme ça je pourrais avoir des points. Merci Malorie. Voilà. Et merci Flo Flo aussi. Merci. Donc voilà, on vous balade dans notre city center. Hey, j'ai oublié de dire que j'avais poussé des cheveux. Oui, raconte-nous ta découverte. Bah, en fait, là ça fait genre 2-3 jours que quand je me lave les cheveux, je me fais des nattes pour qu'ils soient un peu ondulés. Parce que le matin, j'ai trop la flemme de les lisser. Et tout à l'heure, avant de partir, je les ai lissés et j'ai fait ça. J'aime le bonnet de cet enfant. Qui? Là. Ah oui. Et donc, j'ai fait ça. Et je me suis rendu compte que j'avais poussé des cheveux. Hey, j'ai une question à vous poser. On fait un enterrement dit de garçon. Oui. J'ai un ami qui est à l'intérieur. Vous voulez pas aller le voir et juste aller le voir et lui dire je vous prends en photo. Il a une casquette militaire, vous allez voir. Ouais. Non, mais c'est sympa. Si, pour lui. Dans ma pour lui, attends, il va se marier et tout. En plus, ouais, c'est sympa ouais. Pour lui. Bah tiens, tu le feras. Ah non, mais c'est vous qui avez l'appareil. Oui, mais. Bah, si c'est vous, c'est. Toi, tu seras quel est la meilleure photographe? Mais. Non, c'est juste que moi, je suis plus à l'aise avec les gens. Avec les gens, ok. Non, mais de toute façon, faut pas être à l'aise, faut s'imposer. Donc, ça veut dire, t'arrives et tu le prends. Tu poses pas de questions. D'accord. Et après, tu lui dis. Après, tu dis, tu t'inventes quelque chose, tu te marres. Enfin, tu dis. Je sais pas, t'arrives, tu prends la photo. Et tu dis c'est parce que vous étiez très beau monsieur. C'est ce que je comptais faire. Mais non, tu viens. Bonjour, je vous prends en photo, vous êtes trop beau monsieur. Merci. Non mais si, sérieusement. Ah c'est parfait, merci. Ah, bah, c'est génial. Merci, merci. Bah de rien. Hein. Oh non, non, on a affaire là. C'est vrai. Oui, désolé. Comment? Non mais on aime bien, Bon bah merci beaucoup. Puis bah, bon après-midi. On a une petite soirée. Non, laissez-nous, on est des enfants. Donc bon, vous voyez comment peut se passer la vie de... Mais c'est crépoussé, mais quand je pousse, ça va pas. Donc voilà, vous avez pu voir ce que ça donne quand on se fait interpeller. Ça ne nous arrive pas. Hein? Nous voir ici rang, ça n'arrive pas. D'accord. Ce monsieur-là dit toujours bonjour à tout le monde. Il est très poli. Voilà, je sais pas si vous avez pu l'entendre, mais il est très très poli. On sent à quel point je suis rassurée quand je me balade avec mon appareil. Alors je sais pas si je peux vous montrer, mais voilà, il est entouré là. Et là. Mallory a la confiance des humains. De toute façon, t'es une terrorisée de la life. Mais je supporte pas ça. Alors, notre bus arrive dans 6 minutes. Et il va être blindé de monde. Qu'est-ce qu'on fait, Mia, quand on attend un bus, nous? On fume. C'est moi. Notamment, et santé. On fume une mort lente et douloureuse. Montre comme il est sexy, le monsieur. Oh, la sexy tout. Vous lui faites l'amour, hein. Avouez qu'il vous attire. Ça, c'est mes dog cocaïnes. En fait, ce que j'aime beaucoup sur mes dog cocaïnes, c'est pas l'odeur. C'est le petit carrel là. 4000 fois plus grosse que les miens. Oui, mais bon, en même temps, faut savoir que je fais du 40. Mais je sais, mais quand même, regarde la différence de malade qu'il y a entre les miens. Oh mon dieu, mais oui. Aussi. Ouais, la différence, elle fait. Oh, bah oui. On dirait, vous savez, les photos des enfin, les mamans avec la même chaussure que leur enfant. Salut. J'espère que vous me voyez. Parce que je suis jeune sur moi-même, je sais que j'ai un gros temps de découvrir.
Wow, non. Tu vois, t'as trop envie que ton bras il fasse. Focus. Voilà. Cette madame là qui a failli écraser un monsieur, elle est pas comme ça. En plus, par contre, j'ai des dents coquées. Mais elle pue. Elle sentait au moisi comme je les ai achetées. Après, elle sentait plus trop au moisi. Mais en fait, elle sent pas le corps. Mais il descend. Peut-être qu'il vient nous voir. Mimou. Moi j'arrive à le voir, mais à la caméra je pense pas. Mimou. Absolument pas. Donc voilà, on est à une petite centaine de pas de chez moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu comptes les secondes, bah les pas. Les secondes c'est plus long. 14, 15, ouais. 7, 8, 9, 20, 21, 22. Merde, j'allais faire mon code de portable. Vite. 69. Oh si on les a. C'est ça, ton papier sur 100, je t'appelle maman. J'avais dit une centaine, donc c'est ça. La sonnerie trop bien. Eh, on peut carrément venir chez moi maintenant. Jamais 4 euros là-dedans. Non, non, je sais pas, je pense pas. Non, on en aurait trop petites pièces. 1 euro. 20, 40. 2,63 €. Je crois que la séance que la Reine des Glaces, il venait juste là, elle vient d'être finie. Il y a 1 milliard d'enfants qui sont possibles. Donc je pense que la Reine des Glaces, c'est terminé. Moi, de toute façon, je suis triste. Parce que... Mais pourquoi non? Parce que quand j'avais voulu aller voir au pire des cafards, il n'y avait personne qui voulait aller voir. Je sais pas si au guillet les cafards ça se regarde sur Gulli. Mais non, non, parce qu'ils avaient fait le film. Il n'y avait personne qui. Donc cette fois-ci, on est près de chez la grand-mère de Mia. On en repart. Qu'est-ce qu'on allait faire? Ma maman, elle est venue chercher un bureau parce qu'on va déménager. Et j'ai au passage, j'ai rendu le poney à Malorie. T'as récupéré ton poney? Ouais, il est dans mon sac. D'accord. Oui, j'ai récupéré mon poney et je suis quand même time. Donc, oh bah tiens, lui il veut tuer tout le monde. Donc là, on retourne vers le centre-ville, on a trouvé le film qu'on allait regarder. On repart quand même sur du 16 ans de presse. Ouais. Un film où il y a notre acteur préféré. Donc si vous ne comprenez pas pourquoi cette réaction et cette voix, parce que sur ma chaîne secondaire... On vous mettra le lien en barre d'infos. Voilà, on vous mettra le lien en barre d'infos et on a fait une petite parodie de groupie de Dorian Rossini, réincarnation de... Non, rien du tout. Et... oh putain, j'ai mal au bras. Et je vous emmerde, les gens qui sourient. Et je suis tellement tolérante des humains. C'est pas grave. Bon, je m'en branle, de toute façon, ça fait 2 ans que je fais ça. Non, non, voilà. Et donc, on va aller voir ça. Et ça commence à 19h30. Il est quelle heure là présentement? Il doit être presque 18h. 17h48. Donc voilà, il est presque 18h. Et là, on retourne en ville traîner un peu en attendant l'heure. Oui. Et il y a des gens qui se sont moqués de moi, c'est pour ça que j'ai fait. Enfin, qui étaient là en train de se retourner sur nous et de rigoler. Et c'est pour ça que j'ai eu cette réaction de aller vous faire. Mais sinon, je suis tolérante, j'accepte les remarques. Oui, bah oui. C'est bien connu, j'ai toujours été comme ça. Enfin, bref, voilà. Donc, on se retrouvera plus tard quand on fera quelque chose. Bien, au revoir, à tout à l'heure. Au revoir. Ce qui s'est passé. Alors là, on a un ocipé. Je suis heureuse parce que j'ai retrouvé le parfum de mon enfance. C'est tartiné chocolat. En fait, elle a dit la phrase suivante. Faut trop que je retrouve le parfum tartiné chocolat. S'il y a une odeur qui peut représenter mon enfance, c'est celle-là. 2 secondes après, voilà ce qu'elle a trouvé. Attends, attends. Elle l'a pas encore senti, la pour l'instant. 40, faut que je demande à quelqu'un de me l'acheter.
Mia, quel âge as-tu maintenant? J'ai 15 ans. Non, non, mais au moment où tu sens ça? Ah, là, j'ai 4 ans. Oh, mais ouais, il a un peu changé par contre. Ou alors, c'est le fait que ce soit sur une. Oh putain. Ouais, mais le surtout. Mais... Oh, oh, je le veux. Oh, attends un peu, des fois, c'est le temps que ça. Tartine et chocolat, quoi. J'ai retrouvé le tartine et chocolat. J'ai retrouvé le tartine et chocolat. J'ai les yeux pleins de larmes. Ma vie. Ah oui, là, j'ai 4 ans. Oh mon dieu. J'ai retrouvé le tartinet chocolat. Donc voilà. Oh putain. Oui. Envoyez vos dons à Mia, les tartinets chocolat. Ils sont trop ma chaîne aussi bien. Envoyez-les pour Mia. Oh, c'est trop bien. Il me refait ce parfum. C'est obligé. Tu te rends compte que t'es presque en train de pleurer? Mais putain, c'est le parfum. Oui, non, mais je critique en rien. Je disais juste, tu te rends compte que... Oh mon dieu, tartinet chocolat. Voilà, voilà. C'est trop bien. Excuse-moi. À tes souhaits. Merci. Donc finalement, on a changé parce que j'ai regardé les mauvaises heures. Du coup, on n'avait pas la bonne série. On n'avait même pas le bon film. Et du coup, on part pour tout le temps. On est en terminale. Non, mais elle est bien en terminale. Là, on est dans le cinéma. Et on n'a plus rien à dire. Après avoir parlé toute la journée. On filmera après parce que pour moi ça craint. Ouais. Enfin, on peut vite. Je pourrais juste sortir mon appareil. Ça se trouve, avec la lumière, on verra nos têtes et nos connaissances. Parce que si toi t'en as rien à foutre, moi je suis pas comme ça. Juste pour prendre l'appareil. Oui, non, mais si on fera un petit truc pendant. Vous pourrez vous foutre de moi après. Oui, très facilement, avec beaucoup d'excuses. Bon, ça fait pas la peine. Si, sérieux, j'espère vraiment qu'il vaut le coup comparé aux autres. Je sais pas. Moi, j'ai des copains d'internet qui m'ont dit ouais, il est trop bien. Salut. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons fini le cinéma. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on en a pensé? Oula, j'ai du mal à parler. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Alors, comparé au Paranormal Activity 1 et 2, ça n'a rien à voir. À la base, je ne voulais pas aller voir le 5, parce que je m'étais dit, ouais, machin, le 1 et le 2, c'était de la merde, alors je ne vais pas aller voir le 5. Eh ben, putain. Non, c'est pas de la merde. Oui, j'ai beaucoup flippé. C'était, oui, j'ai mal à la main. Enfin, voilà. Donc voilà, on s'est bien fait mal à la main. Je crois que Mia m'a jamais fait aussi mal à la main en regardant un film. Je crois que... Non, franchement, c'était sympa. The Conjuring, j'ai bien flippé. Là, j'ai bien flippé. Donc, plutôt satisfaite. Oui. Et là, il est tard. Mon père peut pas venir nous chercher. Et les bus sont de nuit. Youpi! Donc il y en a, ben, ils partent dans super longtemps. Genre 15-20 minutes que tous les bus partent. Enfin d'abord faut qu'ils arrivent et qu'après ils repartent. Enfin voilà, on est motivés pour dormir ce soir. Absolument. Ça va être la journée. Allez. Donc moi je vous retrouverai peut-être plus tard dans la soirée. Et moi je vous dis au revoir. Salutations. Merci. Salutations de la moyenne sauvage.